Vous pleurez de joie de pouvoir être vacciné. Mais on a vendu un truc qui était... ça y est, c'est fini. Vous allez être sauvé. Vous allez pouvoir sortir. Vous allez pouvoir vivre normalement. C'est fini. C'est une situation qui est extrêmement complexe à gérer quand vous avez cette espèce de propagande. Je parlais de la propagande. C'est de la propagande. C'est une maladie mortelle qui va tuer tout le monde. On a un vaccin qui est une baguette magique. Pour la première fois, on a un vaccin pour les infections respiratoires qui va empêcher la transmission. Dont on a appris par la suite qu'elle n'avait jamais été évaluée du tout, hein, puisque n'ont été testées dans les enquêtes de Pfizer ou Moderna que les gens malades et pas du tout les gens porteurs. Donc la transmissibilité n'a jamais été étudiée. Et ensuite, le troisième point, c'est que pour les effets secondaires, on les a pas étudiés. Donc normalement, il faut 3 ans pour étudier les effets secondaires. On les a pas étudiés, donc on pouvait pas savoir s'il y allait avoir des effets secondaires, leur nature, leur importance, et on les découvre au fur et à mesure, les effets secondaires. Donc on s'est mis dans des conditions d'affolement qui étaient telles, d'une appétence des politiques, des journalistes et de la population entière, hein, pour une solution enfin, si vous voulez, qu'on a brûlé les étapes et qu'on s'est jeté sur quelque chose.